Comment allons-nous, mon petit Pouille? Nous allons bien, nous allons même très bien. Et comment va le gros Boubou? Ça va beaucoup mieux. Je crois que le pire est passé maintenant. Mon petit Pouille, vous revoilà sur pied. Oui, vous allez pouvoir reprendre vos activités dès aujourd'hui, n'est-ce pas merveilleux? C'est bien gentil à vous, mais je crois que je vais rester allongé encore un petit moment. Mais non, mon petit Pouille, vous êtes complètement remis. Oh, mais je serai très gentil, Madame Peccadi. Vous n'allez pas rester couché comme ça toute la journée. Mais pourquoi pas? Parce qu'il faut retourner auprès de Fripp. Elle vous attend pour faire le grand ménage de l'appartement comme vous m'avez promis de faire. Oh, mais c'est que je suis très malade, moi. Mais non! Vous êtes guéri! N'êtes-vous pas content d'être en bonne santé? Non! Moi, je veux rester allongé ici dans ma chaise à faire des bulles, à regarder les avions passer, les oiseaux voler et les nuages se former et à me faire dorloter! C'est encore bien plus amusant que de faire le ménage de l'appartement. Mais vous aviez promis à Fripp de vous l'aiderier! Oh. Elle compte sur vous! Mais c'est plus amusant d'être malade! Ça, c'est la vraie vie! Je ne veux plus jamais être en santé, moi! Mon petit Pouille? Vous ne pensez pas ce que vous dites. La santé, c'est le plus précieux des cadeaux de ce monde. Oh, non, la santé, c'est le travail. Alors moi, je préfère la convalescence. Curieux raisonnement. Mais enfin... C'est votre affaire. Je suis très bien ici, moi, et je bougerai pas. Et si Fripp croit qu'elle va me faire faire le ménage de l'appartement, eh ben elle se trompe. D'abord, il est très bien comme il est, cet appartement. Je crois que je viens d'avoir une idée. J'espère que ça va mieux, parce que c'est aujourd'hui que nous commençons le grand ménage de l'appartement. Ménage? Tu m'as l'air bien pâle, mon petit Pouille. Je vais pas très bien, Fripp. Eh ben, dis donc, on dirait que ça ne te réussit pas, la convalescence. Je sais pas ce que j'ai. Ça doit être les suites de ma terrible maladie. Ah bon? Je crois que je fais une rechute, Fripp. Mais enfin, puis comment peux-tu faire une rechute? Tu n'as qu'une toute petite coupure de rien du tout sur le bout du doigt. C'est pas une toute petite coupure de rien du tout, ça. C'est une grande blessure. Et je crois que je vais être obligé de rester allongé pendant un an ou deux. Quoi? Non, mais ça va pas là-dedans.
Tu veux rester en convalescence pendant un an ou deux pour une toute petite coupure de rien du tout? Mais voyons, Pouille, ça n'est pas sérieux. Si, je suis très malade. Pouille, ça suffit comme ça avec tes histoires à dormir debout. Mais non, mais il est grand temps que tu sortes de cette chaise longue, Pouille. Non, on n'a jamais vu ça. 3 jours de convalescence pour une toute petite coupure. Allez, sors de là. Non. Ah, mais si que tu vas sortir. Non, je ne vais pas sortir. Ah, mais si, monsieur. Ah, mais si. Oh. Mon doigt! Que se passe-t-il ici? C'est elle qui a tout fait! Non, c'est pas vrai, c'est lui qui a commencé! C'est elle, elle est jalouse, elle m'a dit! Allons! On s'explique calmement, Pouille? Oh, c'est elle! Elle a tout fait! C'est parce que vous voyez, je suis très très malade! Et je dois faire très attention à moi! Parce que on sait jamais, ma maladie, elle pourrait être très 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 contagieuse. Et je voudrais pas la transmettre à Fripp. C'est un sentiment qui vous honore, ça, mon petit Pouille. Simulateur. Vous ne vous sentez donc pas très bien, Pouille? Oh, non. Je crois que je fais une nouvelle rechute. Je vais voir. En effet, ça m'a l'air grave. Tu vois, qu'est-ce que je disais? C'est même de la dernière gravité. De la dernière gravité. Quand même, c'est juste une petite écorchure au doigt, c'est pas si grave que ça. Il va falloir que j'en parle au médecin. Adieu, mon petit Pouille. Je dois redescendre en bas. Je vais te laisser à ta convalescence. Sois courageux. Ne t'en fais pas, Fripp. Tout va très bien aller. Il me faut juste un tout petit peu de repos. Mon pauvre petit Pouille. C'est très bien. Elles me croient malade toutes les deux. Je vais pouvoir enfin profiter de ma convalescence pour me faire dorloter. À moi la vie de château. C'est pas pour rien que convalescence, ça rime avec vacances. Je crois que j'ai faim, moi. Je vais aller voir si je trouverai pas quelque chose à manger. Mon petit Pouille, j'ai fait venir un médecin de mes amis qui est très familier avec les symptômes de votre maladie. Allons, n'ayez pas peur. Mais tout va très, 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 très bien aller, vous allez voir. Bonjour, là-dedans. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? Soyez détendu. C'est que ce n'est pas joli du tout, ça. Dites 33. 33. Oh, vous êtes très malade, jeune homme. Non. De quoi croyez-vous qu'il s'agisse, docteur?
Je crois qu'il s'agit d'une maladie très grave. Oh. Une méninge vide. Oh. Une méninge vide? Vous en êtes sûr, docteur? Mais... Tout à fait certain. J'ai fait commencer ma petite opération. Mignon. Ne craignez rien, soyez détendus. Mignon. Madame Peccati? Oui? Vous allez m'assister? Oui, docteur. Mignon, 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 vous comprenez pas, non, mignon. C'était juste pour rire, y'a rien, c'était juste pour rire. Allons, 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 mon petit pouille. Vous n'allez pas vous mettre dans des états pareils pour une simple petite opération. Allons. Non. Allons. Non. Allons. Non. Mais oui. Non, 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 je veux pas. Moi, ménage vite, pas ménage vite. Y a pas d'opération sur Pouille qui tienne, voilà. Est-ce qu'elle est malade? Il est prêt? Ah, il est prêt, docteur. Fort bien, nous allons procéder. Non, 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 savez-vous, cher docteur, j'ai bien réfléchi, là, et je crois que je n'ai pas besoin d'opération. Voyez-vous, je me sens en pleine santé. Regardez, 33, 33. Finalement, je suis de plein de bonne santé, alors j'ai pas besoin d'opération. Alors, je vous remercie, hein, et vous direz bonjour à votre famille. Allez, ciao. Quoi, 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 qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié quelque chose. Vous savez oublier petite opération? Vous pouvez pas me l'expédier par la poste? Non, je ne peux pas. Désolé. Non, ma ménage vite va beaucoup mieux, docteur. Je vous jure, je sais pas où elle est, mais je vous jure qu'elle se porte de mieux de seconde en seconde. Bon, j'ai fait commencer mon opération. Madame Peccati, si vous voulez me passer les instruments. Bouton. Tenaille. Tenaille. Si. Si. Nappe. Nappe. Fourchette. Fourchette. Assiette. Assiette. Tarte aux pommes. Tarte aux pommes. Tarte aux pommes. Oui, c'est les remèdes que j'ai prescrits contre la ménage vite. Pour guérir ceux qui ne veulent pas faire le ménage de l'appartement. Oui. Tu étais tellement malade, mon petit pouille. Nous avons pensé qu'une petite opération vous remettrait sur pied en rien de temps. Toi, Madame Peccati, tu étais d'accord avec elle? Oh, mais vous aviez l'air si malade. J'ai pensé que le traitement choc s'imposait. C'est que je le connais, mon patient. Paresse aiguë, compliqué d'une fainéantise chronique. Je veux la manger, la tarte aux pommes. Mais non, tu n'y penses pas. C'est contre-indiqué pour la ménagerie. Non, non, je suis plus malade. Regarde, je suis en pleine santé. Vous faites encore un petit peu de fièvre. Non, je suis en pleine santé. Allez, allez. Dites 33. 33. Je vais manger la tarte. Allez, sans les couteaux, salut.